Moi, à 20 ans, vous ne le croirez peut-être pas, j'avais un corps d'athlète, 150 livres. Vous amènerez des photos. Aujourd'hui, à 52 ans, à 200 trop de livres, tout ce qui me reste d'athlète, c'est le pied. Dans la société aujourd'hui, il faut que tout soit politiquement correct. Il n'y a plus rien qui s'appelle comme anciennement. Un sourd. Comment on appelle ça aujourd'hui? Pardon? Un malentendant. Un aveugle. Un non-voyant. Un ticris à l'école. OK? Comment on appelle ça aujourd'hui? Non. Un TDAH. Trouble ou déficit de l'attention avec hyperactivité. Un autiste. Un TED. Trouble envahissant du développement. Ma femme, elle a étudié en éducation spécialisée, ils ont tout appris. Un itinérant. Un SDF. Sans domicile fixe. Un gros. Comment qu'on appelle ça un gros en 2011? Un obèse. Premier spectacle à l'avenir, j'ai entendu un Christ de gros. Ça l'a de moins. Non, mais sérieusement, on appelle ça comment, hein? Moi, j'ai trouvé une définition. On appelle ça un GFTA. N'as-tu qu'une idée? Ceux qui ont vu le show, on se tait. Un GFTA. Non, hein? Un GFTA, ça veut dire génétiquement favorisé en tissu adipeux. Donc, c'est génétique.